Coucou ma petite mamie, donc comme promis je te fais une vidéo pour voilà, que tu puisses pratiquer des points pour éviter et améliorer donc, les vertiges, les étourdissements. Donc premièrement, tu chauffes tes mains, voilà, tu les frottes bien, tes poignets. Tu peux malaxer, tu vois, chaque doigt et puis tirer un peu le bout, hop. Ça fait du bien. Parce que comme tu vas te servir de tes pouces ou de tes doigts pour aller presser les points, ça sera utile. Donc voilà, on malaxe chaque doigt. Donc tu es tranquille, bien assise, les deux pieds bien enfoncés dans la terre, hein, tes deux pieds bien posés au sol. On change de main. Hop. On tire entre les palmures aussi, ça peut faire du bien. Voilà. Chaque doigt malaxé. Tu as les épaules relâchées. Tu fais ça tranquillement en respirant bien par le ventre. Voilà, hein, par le ventre. Ça te fait une bonne respiration. Donc voilà, maintenant que tu as bien chauffé tes mains, tu peux les secouer un petit peu. Donc, je t'ai fait pas 36 points. J'ai dû en sélectionner et on fait simple. Donc, je t'avais parlé déjà de le sommet du crâne. Hein, le 20. Dommage. Tu vois, tu prends le bout de tes oreilles, là, hop, tu remontes au sommet du crâne. Donc celui-ci, tu peux, voilà, t'imagines, ça va te recentrer. Hein, tu sens, c'est vraiment le sommet du crâne. Donc, hop, cette ligne-là, vraiment, ça recentre. Donc, tu peux le presser gentiment, une petite rotation. Alors, tu as besoin de concentration, de mémoire, tout ça, tu vas le visser. Tu vois, tu vas le faire comme ça, j'exagère exprès. Hein. T'as besoin de calme, t'as trop de pensées, hop, tu vas le dévisser dans l'autre sens. C'est un détail, hein. De toute façon, de le presser, ça fera son travail. Voilà. Et après, tu peux venir appuyer en même temps. Je t'avais parlé de Yin Tang, c'est un point hors méridien qui se trouve ici. Donc vraiment en même temps. Alors les pressions, je t'avais dit, t'inspires, tu restes en contact. Expire, tu presses doucement. Inspire. Expire, je presse. Inspire. Expire, je presse. Voilà, minimum 3 fois de suite. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours sur la tête, tu vois l'oreille, le bout de l'oreille. Bah, un travers de pouce au-dessus sur le crâne. Tu vois? Donc de chaque côté, comme ça. Hop. J'ai trop de cheveux là. Tu as le bout de ton oreille au-dessus. Voilà, tu es comme ça. Tu laisses les doigts reposer sur le bout du crâne. Et là, à ce point-là, souvent d'ailleurs, il est sensible. C'est aussi un point de détox. Donc, au passage, c'est le 8 vésicule biliaire. Voilà, donc tu restes en contact. Inspire. Expire, on presse doucement. Tu peux faire des petites rotations si tu as envie. Inspire. Expire. Je presse. Inspire. Expire. Je presse. Donc, toujours une respiration calme, ample. Tu prends ton temps. Tu respires bien avec le ventre. Ensuite, qu'est-ce que je t'avais mis? Ah oui, toujours là, on est ici. Tu vas aller après, donc là on descend un peu. Tu vois l'os, l'extérieur là, sur le côté. Très simple, tu vas sentir une tête, hein, c'est la tête du péroné là. Voilà, et bien c'est le point en dessous. En dessous, légèrement devant, et tu sentiras il y a une petite dépression. Donc pareil, c'est pas loin, tu vois, je t'ai pas mis des points non plus sur les pieds et tout ça. T'as pas à te pencher. Tu presses, inspire, expire, je presse. Inspire, expire, je presse. Inspire, expire, je presse. Tu vois, tranquillement. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais voilà, ça donne ça. Hein. Tu vois, tu es de chaque côté. Cet os là sur le côté, une petite tête ronde. Hop, tu vas sentir vraiment juste en dessous et devant. Ça, si je le fais à l'image, tu vois, tu sens la petite bosse là et en dessous devant. Moi, ma bosse, elle est le milieu, elle est là. Voilà, en dessous devant, je sens la petite dépression. Voilà, à peu près. De toute façon, ça travaillera la zone. Ça, c'est aussi vésicule biliaire numéro 34. Et ça va travailler aussi en plus sur tes tendons. Donc, ça va faire du bien. Ensuite, je retourne à la tête. Bah, le coin, tu vois le coin de l'angle des cheveux, ici. Hop, avec les pouces, pareil. C'est estomac 8. Inspire, expire. Inspire, expire,
je presse. Inspire, expire, je presse. Donc là, si tu as envie, on aurait pu le faire avant ou après, comme tu as envie. Voilà, tu peux malaxer, parce qu'il y a d'autres points sur la tête importants, vraiment du bout des doigts, comme ça. Malaxer la tête, tout le cuir chevelu, le crâne, ça fera du bien de toute façon. Voilà pour la tête. Ensuite, on descend sur les bras, juste tu vois à l'intérieur, le pli du coude, hop, sur le côté là, pareil, vraiment contre l'os, au pli du coude, tu vois, hop, ici. Voilà, c'est le trois cœurs, c'est le point de la joie aussi. Voilà, il va aussi avoir une action sur l'apaisement du mental. Donc voilà, inspire, expire, je le presse, inspire. Expire, on presse, inspire, expire, on presse, et on va continuer cette ligne, aller jusqu'au petit doigt, et l'ongle du petit doigt, hop, je vais presser chaque angle de l'ongle du petit doigt, donc en fait, très simplement comme ça, pareil, inspire, expire, je presse, inspire, expire, on presse, inspire, expire. Et si tu veux faire plus que trois fois le point, si tu sens que tu as envie de faire plus de trois fois, tu le fais. Et on fait l'autre bras du coup, pli du coude à l'intérieur. Je pose mon pouce, hein, bien comme ça, tu vois, on appuie toujours avec la pulpe du pouce. Hop, inspire, expire, je presse, inspire, expire, je presse, inspire, expire, je presse. Je continue ma ligne et le petit doigt, chaque angle de l'ongle et c'est parti. Inspire, expire, je presse, inspire, expire, presse, inspire, expire, on presse. Voilà, donc tu vois, si je récapitule, je t'en ai pas mis trop, puis voilà, avec la vidéo tu peux mettre pause, tu peux recommencer, le 20, au sommet du crâne, après en même temps avec celui-ci, ensuite le 8, tu te souviens, un pouce au-dessus du bord des oreilles, là, de l'apex des oreilles, la pointe, hop, ensuite la petite boule sur les côtés extérieurs, là, hop, ici, en dessous devant cette petite boule, hop, le E8, là, ici, au coin de la chevelure, en fait, du cuir chevelu, voilà, et après c'est pour les bras, la ligne du pli du coude et les angles, l'angle de l'ongle du petit doigt, et de l'autre côté, hop, et hop, les angles de l'ongle du petit doigt, voilà, donc avec l'échauffement avant, et puis tu peux te malaxer, mais voilà, ça c'est des points qui vont t'aider à apaiser le mental, à éviter donc d'avoir les étourdissements, les vertiges. Voilà, c'est ce que j'ai sélectionné, de pas trop long, de pas situer non plus au pied, parce qu'il y en avait au pied, ça t'évite de te pencher. Donc voilà, ma petite mamie, j'espère que tout ça, ça va te servir. Et fais-le tranquillement, tu vois, tu échauffes bien, voilà, tranquillement, et ça devrait être très agréable. Donc au moins une fois par jour. Bisous ma petite mamie.